Merci d'avoir accepté de venir discuter avec nous sur une chaîne YouTube qui s'appelle L'Intemporel. Est-ce que vous pouvez vous présenter? All right. Thanks for being with us for a channel called The Intemporel. It's a YouTube channel and also social media. Could you introduce yourself? Sure. I'm Laura Thorne. I'm a journalist and writer. I am the editor for Distributed Denial Secrets, which is a publishing collective that was recently, our most recent publication is Blue Leaf, and what got us finally kicked off of Twitter. So it's all right. Sorry, mate. I didn't hear what you said. Are you translating? Yeah, I'm trying to translate, but the sound is not that good. I got a word out of two, so yeah, I get it. I'm on a slow connection. So I'm Laura Thorne. I'm a journalist and editor, writer, and publisher, and we publish data that is either hacked or leaked by whistleblowers, and we believe in the public interest for there to be an archive online. So that's who I am. Okay, I'm gonna do the French part now. Laura Cohen, écrivaine, publiciste qui travaille, qui est journaliste et qui publie des dossiers leakés, donc des liens qui proviennent de hacks ou autres, et qui publie ça de façon à prouver au monde qu'il existe des choses qui tombent par an. Depuis quand existe son organisation et comment elle a été fondée? Comment elle a été fondée? Okay. Since when the your organization been? Since when? Yeah, since when the organization has been born? It launched 2018. I've been involved. I joined as sort of an advisor. Coming from my career in journalism and seeing projects like this one before I was brought in on the board of advisors. Okay. Donc ça a été créé en 2002. Elle fait partie des premiers à avoir travaillé dessus en tant que conseillère et elle fait toujours partie des piliers importants du réseau. D'accord. L'équipe est constituée de quel type de compétences? Your team, what kind of skills is inside your team? Like informaticians and stuff like that? Sure, we are a group of journalists, technology experts. We have lawyers, we have activists and publishers. There's a long list. Okay, donc c'est une longue liste de journalistes, d'avocats, de techniciens informatiques et d'activistes. D'accord. Donc vous avez connu quelques votre organisation a été censuré et bloqué définitivement de Twitter à travers votre dernière publication sur les Blue Leaks. Pourquoi ils vous bloquent, vous? Et All right, so your organization that published Blue Leaks, we wanted to know why you've been blocked and not other group like WikiLeaks and other website or activist groups. Why specifically Video Secrets has been blocked? Why do you think that? We have several things that set us apart from other platforms. We publish a lot, and we have a very responsive sort of team.
Donc, ils ont été bloqués parce qu'ils ont une équipe assez virulente qui agit assez souvent. Et du coup, ils sont assez présents, en fait, et assez connus. Do you think it's like Can not I continue? Sorry, Or what? I can I continue? Oh, yeah, for sure. Yeah. Blue Leaks is not the first hacked data that we have published, but it is the first about law enforcement in the United States. Donc, ce ne sont pas les premiers liens qui balancent sur le net, mais c'est le premier concernant les dossiers policiers sur Internet. J'ai regardé sur leur site internet, c'est vrai qu'ils ont publié des documents qui révèlent les faits de corruption, de détournement de fonds. Pourquoi celui-là gêne plus que tous les autres? Why do you think that this case is more important, has more impact than the other thing that you published, like money laundering, corruptions, and other stuff? I think that you have to look at the context of what is going on in the country and in the world right now, the conversation about police and the existential moment that they are having. Donc c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, ça a plus d'impact en ce moment avec tout ce qui se passe dans le monde, avec les violences policières, c'est quelque chose d'assez tabou. Et ça a un impact plus important quand on touche aux forces de l'ordre. Justement, il y a des documents qui parlent de George Floyd. Qu'est-ce qu'il y a dans ces documents? What kind of files do you have on George Floyd? The Blue Leaks contains details of police surveillance of protests leaked from very recently up until a few weeks ago. Donc, dans ces dossiers, suite à George Floyd, il y a beaucoup de gens qui ont été mis sous surveillance et ils contiennent beaucoup de liens sur ces surveillances à propos des gens qui protestent à propos de ça. On a vu que les documents expliquaient comment le FBI surveillait les profils Twitter pour les donner à la police locale. Il révèle aussi, par exemple, un fournisseur d'héroïne qui utilisait un drone pour surveiller la police de Dublin pour échapper à leur contrôle. Et il surveillait aussi les transferts de monnaie de Bitcoin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi à l'intérieur de CX? Parce qu'il y a quand même 269 gigas de fichiers. Yeah, there is like a 269 data of leaked files, and none of less like the drones over Dublin police ruled by a drug lord, Erin drug lord. What kind of leaks can we find? What kind of links, sorry, can we find? The data is being explored really well in the public domain. It's really been great to watch the Blue Leaks hashtag on Twitter, and there's subreddit where crowd research is happening. I'm in Canada. So the United States law enforcement isn't my topic of expertise, and our collective is sort of spread out in that way. Alors, comme elle disait, elle vit au Canada, donc ce qui se passe aux États-Unis avec la loi et la police, ça la regarde pas, ça l'intéresse bien sûr, mais c'est pas ce qui l'impacte premièrement, et ils vont se baser sur d'autres liens, et c'est vrai que dans ces 269 gigas, il y a beaucoup, beaucoup de données en fait à explorer, et ça va dépendre des activistes qui vont mener leurs recherches à travers le hashtag BlueLeaks ou autre moyen de voir ces documents.
Oui, c'est vrai qu'on a trouvé des documents qui parlent du comportement humain et du non-verbal. Vous avez travaillé avec plusieurs médias. Est-ce qu'ils vous soutiennent aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils font avec vous pour lutter contre la censure que vous subissez en ce moment? Et est-ce que vous pensez que les leaks, c'est l'avenir du journalisme? You worked with a lot of media. Do they still support you? Do they help you against censorship? Just a moment. Tu peux répéter la dernière question, s'il te plaît? Est-ce que les leaks, c'est l'avenir du journalisme? Do you think leaked files are the future of journalism? I think that they are a part. They have to be a part of the media and the information landscape, and they have to be, we have to be literate of the data that exists. Yep. Sorry, I didn't hear the last part. We have to be able to, we have to be literate of the data that exists. Ok. Du coup, oui, ils ont le support des médias et ça fait partie de l'avenir, enfin pas aussi, enfin pas spécialement de l'avenir du journalisme. C'est une partie intégrante du journalisme. C'est quelque chose qui aide de plus en plus les journalistes. C'est une partie risquée et ils doivent être littéralement sûrs de ce qu'ils envoient. Et comment je pourrais dire ça sur la dernière phrase? Outre le fait que ça en fait partie, oui, c'est, on va passer ça en une seule phrase, c'est vraiment quelque chose d'important dans le journal, en fait, les leaks. C'est une manière de montrer au monde, pas contrairement aux médias mainstream, les dérives d'une société, en fait. En gros. Comment vous travaillez avant de publier un leak, enfin des données? How do you work before release a link, sorry, on the internet? Comment ils vérifient les documents aussi? How are you sure? I was saying how could you be sure about that is legit. It's legit and you can publish it. Every data set is different, and we rely on source verification as our primary, both how we get stuff, but how we verify. And sorry, I'll let you translate that. No problem. Du coup, ils se basent vraiment sur beaucoup de sources. Ils ne vont pas s'appuyer que sur un seul lien qui va leur dire bah, c'est bon. Ils vont vraiment vérifier toutes les sources, de savoir si c'est vraiment en béton avant de travailler là-dessus. Et comme c'est une équipe, ils vont pouvoir se relayer entre eux. Okay. Comment ils font pour sécuriser leurs échanges et qu'est-ce qu'elles pensent de la guerre cryptographique? How do you secure your conversation? And what do you think about c'était quoi le mot, pardon? Guerre cryptographique. Between the war, the cryptographic war. I think that cryptography protects everyone, and it's a basic building block of the world. Alors la cryptographie, c'est une protection des gens, en fait, et ça devrait faire partie intégrante dans le monde pour protéger justement ces données. Elle voit l'arrivée des ordinateurs quantiques de Google par rapport à la cryptographie. Est-ce qu'il y a un moyen de lutter contre ça? Est-ce qu'il commence à réfléchir à cette question? Do you think there's a way to think about the quantum computer of Google and a way to fight it? I don't know if I'm clear about that. Wow, this is
Google is very well resourced, but they are not the only well resourced entity, and they are not the well resourced entity that I worry about all the time. Donc, c'est vrai que Google, c'est une grosse entité sur le marché des ordinateurs quantiques et tout ça, mais c'est pas ce qui l'effraie le plus, en tout cas. Ok. But this is really personal opinion, and I'm a tech journalist, but not that much. Ouais. C'est son opinion personnelle. C'est une journaliste d'investigation, mais elle va pas s'étendre sur ce sujet-là, vraiment. Ouais, c'est vrai que j'ai posé une question un peu trop spécifique. C'est pas la première fois que votre organisation est censurée. Pourquoi cette fois, c'est vraiment différent parce qu'ils bloquent même les URL. On est obligé de désamorcer les URL pour pouvoir les publier. Quelles alternatives vous avez face à ça? Est-ce que vous allez vous déporter sur un autre réseau social ou vous allez tout va se passer à travers votre site? It's not the first time that you get censored with your links and your work. They even blocked the URL link on the internet. We know that we can change it. Will you continue to spread it on other media, or will you stay on your website? We are very open to the idea of disappearing, and as long as the information is free, then we don't need to exist. Alors, ils vont se concentrer sur la disparition. Tant que des liens pourront être balancés, eux, c'est leur façon d'exister. Et ils vont se servir de tout. Dans ce que je comprends, c'est qu'ils vont se servir de toutes les plateformes possibles. En fait, c'est exister sans exister. Twitter disait qu'il y avait des malwares dans les documents, et qui apparemment est faux. Comment elle a pris cette information, et comment elle lutte contre la désinformation, en fait? Sorry about my sentence, because I don't have the right words, but Twitter said some bullshit about the accuracy on your revelation. Right. How do you fight that? We fight that by asking them to point out the specific violation if they are making that accusation, and we are waiting. Alors, ils attendent et ils demandent à Twitter vraiment de montrer et de prouver que ces allégations soient vérifiées, en fait. Et eux, ils attendent juste le retour de Twitter. Ouais. Est-ce que les fichiers étaient classés, et est-ce que ça pose réellement un problème de publier ce genre de document d'un point de vue légal? In a legal plan, is this really a problem to publish that kind of files? I'm not a lawyer, thankfully. Ah, elle est pas avocate, donc. C'est vrai. Avant de publier tous ces documents, j'ai lu que vous avez retiré une cinquantaine de gigas. Sur quoi vous êtes basé pour retirer ces documents, et est-ce que vous allez en publier d'autres qui sont en lien avec les Blue Leaks, mais que vous avez gardé de côté pour l'instant? We saw that you took back 50 GB of data on files. Sorry, I'm going to ask a question in French.
C'est quoi la question, pardon? Ils doivent retirer les. En gros, il y aurait, d'après les médias, une cinquantaine de gigas qui auraient été retirés. Et la question, c'est est-ce qu'ils prévoient est-ce qu'ils ont gardé des leaks de côté pour les relancer plus tard et des leaks qui font partie des blue leaks, pas Ah. d'autres révélations. Are those files related to Blue Leaks, or do you keep it aside and you will publish it later, or this is something that's nothing about to do with that? They are files that we have reserved and for researchers to go through more carefully, and we can publish them later. Obviously, the source controls the data in the end. Alors, ils ont gardé ces datas de côté parce qu'ils vont encore plus les explorer et plus tard, ils comptent les relâcher vraiment quand les sources et qu'ils auront vraiment vérifié que ce soit des datas fiables. Ok, ouais, cool. Est-ce que tout. I can go on. Sorry. We have data that we reserve for researchers that can go through it that we don't publish. That has happened before too. And it's possible with Blue Leaks that more in the 50 or so redacted is relevant in the future. Okay, donc, il les réserve vraiment aux chercheurs avec qui ils travaillent. Et comme je te disais tout à l'heure, bah voilà, ils vont les publier. Ça fait partie du BlueLeaks. Et après, bah, ça sera à voir plus tard quand est-ce qu'ils les lanceront. Est-ce que vous pensez que Twitter est contre les chercheurs, les journalistes et le public? Do you think Twitter is against researchers or journalists or the public? I think their actions speak for them. They enforce their terms of service selectively. Alors, leur action parle d'elle-même, en fait. Ça renforce l'idée que oui, il y a quand même une censure derrière et qu'ils ne sont pas libres de publier tout le monde. Justement, pourquoi j'ai vu dans différents médias qu'il y aurait une différence entre vos leaks et ceux de Wikileaks? Pourquoi et qu'est-ce que vous pensez de ça? What do you think about the difference between your leaks and those from Wikileaks? Well, we publish, we are an archive, so we archive much of what is in WikiLeaks as well as included in ours. And there are other differences. Alors, il y a d'autres différences, mais c'est vrai que eux, par rapport à WikiLeaks, ils publient constamment, 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 enfin beaucoup plus que WikiLeaks. We publish more data if you're measuring in size, and we publish about we've published about Russia without trying to sell the data. Ils publient vraiment beaucoup plus de data, tu vois, et notamment aussi sur la Russie. Et oui, ils se font moins emmerder D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle de Julian Assange? WikiLeaks. What do you think about Julian Assange's case right now? I think that it's worth watching. It's a fringe case for freedom of expression, and these are important legal battles to keep an eye on.
Alors, c'est quelque chose à regarder, à continuer de regarder de plus près, parce que c'est un combat contre, alors, pour la liberté d'expression, en fait, et la liberté des journalistes. Et c'est un combat à ne pas mettre de côté et à continuer de supporter, enfin, d'avoir un œil dessus constamment. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle pense de la situation de Jérémy Amande actuellement, qui se retrouve à une dizaine d'années de prison? Same question, but about Jeremy Amon that will take 10 years jail. So. I think Jeremy Hammond is like an example, and I think that he's suffered a great injustice, and he's a political prisoner in the United States. Donc Jeremy Amon, bah, c'est un prisonnier politique aux États-Unis et c'est un exemple à suivre, en fait, c'est de par ses actions. Quelles sont ces sources d'inspiration qui ont fait qu'elle est arrivée dans le journalisme, et est-ce qu'elle se pense plus investigatrice ou activiste? Ou est-ce qu'elle est mélangée, enfin, What gave you the motive to be a journalist? What's your inspiration? And do you think you're more an activist or a... C'était quoi l'autre mot? Journaliste ou investigateur. Oh, investigator. If the question is activist or journalist, I was always both. My first journalism job was following protests and police repression, and I was also a medic in the same protest where I was writing, so. Ok, donc les premières choses qui l'ont intéressé, bah, c'est pas les émeutes, mais comment on appelle ça chez nous, les grèves, les protestations, aussi ce qui concerne la police, pardon. Et ça, could you repeat the last sentence, please? I was with medics in the same medic that I was writing about. I was always an activist and a journalist, and find it. Elle a toujours été une activiste, journaliste, elle a été aussi médic sur les manifestations, et elle se considère comme un tout, en fait. Quelles sont ses sources d'inspiration? Et la seconde, est-ce qu'elle peut conseiller trois livres à notre communauté? Ok, we got two more questions. Who gave you the inspiration to become what you are as a journalist, activist, and medic and stuff? And could you give us three books to read and that we can provide to our viewers and friends? Sure. I'll start with the books. I really always recommend The Real World of Technology by Ursula Franklin. The Real World of Technology, le vrai monde des technologies. What's the author name? Ursula Franklin. She is a Canadian philosopher and metallurgist and just physicist, scientist, feminist, who lectured in 1989 about the real world of technology, and it's still relevant today. Donc, 1889, c'était une personnalité canadienne, activiste, féministe, scientifique, physiciste et métallurgiste. Donc, elle a beaucoup de casquettes. Ouais. Ok. Second book. Second book.
recently got through Wild Speed, Octavia Butler's trilogy, Seed and Harvest. I started the trilogy. Okay. So I'm really excited for what happens next. Wild Seed by Octavia Butler. Olivia Butler, ça te, s'il y a trois bouquins dessus, c'est une trilogie. Ok. Wild Seed. Did you say Wild Seed? Ah. And the last book? No, sorry, that was the third. Oh, sorry. Yeah. Could you also write it and send it on text? Oh, yeah, sure. Thank you. It will be helpful. The third book, I really am enjoying Flash Fire by Richard Stark. Et le dernier livre, Flash Fire de Richard Duck. Ah, ça va nous faire de la lecture, je ne connais pas du tout. Est-ce que, je ne sais pas, tu veux lui poser une question? Est-ce qu'elle... What was the last question? Who gave you the inspiration to become an activist and a journalist? Oui, quelles sont ses inspirations? I think I always was. I didn't know it when I was young. And realizing the word was a big help for me, that I could call myself that. It made a lot of sense. Bah, son inspiration, c'est vraiment la situation mondiale qui lui a fait découvrir en grandissant qu'elle allait devenir et se transformer en une personne activiste et journaliste. Est-ce qu'elle a abordé un point qu'on n'a pas pensé? Do you have something to say? Something that we might miss and asking you anything? I always want to draw the attention back to the data. I have been censored before. It's important to remember why it happened. And that it's happened to other people before me. And we were maybe just the biggest and most noticeable. Donc là, elle insiste vraiment sur le fait qu'entre autres, elle et d'autres personnes sont censurées, que c'est quelque chose d'important qu'il ne faut pas laisser passer. Et que dernièrement, c'est eux les plus gros à avoir été censurés, le plus gros groupe à avoir été mis de côté, quoi. J'aurais deux autres questions. C'est un conseil pour les jeunes générations et quelle personne il faudrait soutenir? Si elle a des noms en tête, qui devrait être mis en avant? Qui aider en fait? Do you have an advice for the youth, the new generation? No, I always ask people younger than me for advice. Elle a toujours eu des jeunes un peu plus jeunes qu'elle pour la conseiller. Et c'était quoi? C'est des noms, c'est ça? Oui, elle parlait de personnes à soutenir. Est-ce qu'elle peut nous en citer? Could you tell us some name about people to support? Jeremy Hammond, definitely. Keep an eye on that case and support the Defense Committee for Jeremy Hammond, please. And thank you. Bon, bah, on va garder un œil sur Jeremy Hammond et vraiment la personne à soutenir le plus là dernièrement. Yeah. Et bien, cool. Merci beaucoup. Thanks a lot. Well, thank you. It's important that everybody is talking about this when they can. C'est vraiment important qu'on en parle et qu'on lâche pas la lutte. C'est quelque chose à faire tourner.
Bah, tous les liens sont dans la description et puis maintenant bah, on espère que ceux qui regarderont la vidéo entendront le message. And now, thanks to you, we hope that the viewers will see the video, will spread the message. All right, I'll send you those books. Thank you very much. Thank you for answering the questions. Say hi to Canada.